Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play sur Far Cry 5. On va du coup continuer nos aventures dans la région de Faith. Et là, bah comme je dis, je sais pas trop ce qu'on va faire, donc regardons la map un peu. Parce que là, ouais, il y a beaucoup de quêtes. Virgile du coup, on a Whitehorse aussi je pense, ouais également. Et on doit avoir la fille du coup, je sais plus son nom, j'ai déjà oublié. Après, bon, on a l'avant-poste ici qui est vachement prenable, je pense. On a surtout sa quête à lui. Et malheureusement, là, j'ai pas encore récupéré les plantes. Après, peut-être que si je vais là-bas, c'est bon. Faut peut-être tester d'aller là-bas, au final. Parce que finalement, il me dit d'aller là-bas, hein. Donc, c'est peut-être là-bas qu'on a les plantes, ouais. Je pense qu'on va aller voir ça. J'ai envie de voir, du coup, les véhicules. Est-ce que j'ai pas des véhicules spéciaux? Attends, il y a moyen. Je crois pas qu'on ait véhicule avec les DLC, je m'en rappelle pas en tout cas, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri de découvrir des véhicules what the fuck. Bah si, j'ai déjà celle-là de Blood Dragon. voilà, un véhicule. Ah bah si, j'ai bien les véhicules d'Hours of Darkness, donc ça c'est le DLC 1. Ok, j'ai déjà ces véhicules, mais j'en ai même d'autres je pense qui sont débloqués. Pas impossible, ouais, il y a ceux de l'Ubisoft Club encore, mais je comprends pas comment je les ai alors que pourtant... Normalement, il n'y a pas de liaison entre... Ouais, entre mon compte Megafanta et Mega Oasis, c'est pas le même truc. C'est pas le même compte Ubisoft, c'est... J'ai même pas de compte Ubisoft, de toute façon, sur mon compte Mega Oasis, mais voilà. C'est très bizarre, hein, je ne saurais l'expliquer. Bon, du coup, on va prendre quoi comme... Vas-y, on va prendre le véhicule de Blood Dragon. Yes! Le style avant tout. Et je vais aller checker là-bas, du coup, si on n'a pas un petit truc. Alors, mon véhicule, ils l'ont mis là, très bien. Regardez-moi ce style-là. C'est très années 80, tout ça, hein. On va pas dire le contraire. Et on va sûrement avoir l'opportunité de tester le pistolet laser, enfin tester, retester pour moi en tout cas, très bientôt là. Hein. Alors du coup, j'ai pas mis le marqueur par contre. Voilà, parfait. Parfait. Donc là, de la grâce, il y en aura partout dans cette zone, hein, forcément, vu que c'est la zone de Faith et ça l'appartient un peu la grâce à elle, donc c'est un peu sa spécificité. Alors... Récupérer des plantes de Stramoine. Donc attends, du coup ça voudrait dire que soit il y a des ennemis, soit autre chose, mais... Alors je crois que je l'ai quand même un peu one shot là, non hein. Ouais, bah ça reste quand même la moins cheatée, hein, je vous garantis, hein, des trois, mais oui, ça reste quand même assez puissant. Oh! Genre déjà? Déjà. Ça, je m'y attendais pas. Et ben voilà, première rencontre avec Faith, donc c'est avant d'atteindre le premier rond jaune finalement. Aïe, et là c'est très stylé. Donc, vous allez voir, c'est très stylé. Donc là on va être emporté dans la grâce. Oh là là, je m'y attendais pas dès le début de l'épisode, c'était un épisode qui commence très fort là pour le coup. Hein. De toute façon on va pas s'ennuyer dans ce let's play, il y a trop de choses à faire. Hein. Beaucoup plus de choses de toute façon que Far Cry 3 et Far Cry 4, c'est sûr que ce jeu est mais mille fois plus complexe ces deux derniers. Hein. C'est pour ça que ça en fait sa force aussi. Hein. Tellement plus de choses quoi. Alors là je pense qu'on va re-rencontrer le marshal. Je sais ce qu'on raconte à mon sujet. Je serai une menteuse, une manipulatrice. J'empoisonnerai les esprits. Mais je vais te raconter une autre histoire. La vraie, cette fois. Il était une fois une jeune fille, mise à l'écart par sa propre communauté, harcelée par ses amis, maltraitée par sa famille. La drogue devint son seul refuge. Elle était seule au monde. Elle voulait mourir. Puis elle rencontra le père. Elle reprit espoir et confiance
Le père lui montra qu'elle était spéciale, qu'elle était pleine de vie et d'amour. Il lui offrit une autre famille, qu'il acceptait telle qu'elle était vraiment. La jeune fille retrouva le goût de la vie. Elle avait trouvé... un but. Un jour, le père l'emmena ici. Il lui demanda si elle avait confiance en lui. La jeune fille qui voulait vivre à tout prix. Prit peur. Le père lui dit que c'était une épreuve. Il aurait foi en elle si elle avait foi en lui. Elle ferma les yeux. Et souffla. La voix de l'Éden éclaire pour tous les fidèles. Suis la voix. Accepte la foi. C'est énorme, c'est énorme. Prouvez votre foi et sautez. Et la musique en fond, elle est magnifique. Dieu découvert, Stramoine. Ouais, mais sauf que là, on est plus dans la grâce. Hein. Donc là, c'est vraiment l'hallucination. Hein. Comme dans tous les Far Cry, on a toujours des phases d'hallucination. Donc là, c'est grâce à Faith. Allez, on saute. Je donnerai un sens à ta vie. Je te libérerai. Oh là là, c'est trop stylé. Je m'attendais pas à l'avoir direct en fait, mais si, maintenant je m'en souviens que c'était un peu avant justement. Je sais ce qu'on raconte à mon sujet. Donc elle, elle est adoptée au final, c'est pas vraiment une Cid comme les autres. Et du coup elle était droguée, voilà, avant, et finalement le père l'a recueillie. C'est vrai ça du coup, hein. C'est pas des mensonges. Parce qu'elle est réputée pour dire que des mensonges, mais ça c'est vrai. Ah là là, et le retour est brutal. Par contre, je sais pas où j'atterris, là. J'espère que je suis pas trop loin de là où j'étais avant. Quand même pas, hein. Vous m'avez rendu où, là? Bon, oui, il y a beaucoup de cadavres, hein. Ils ont pas tous survécu à la chute. Alors, personne n'a survécu à la chute, d'ailleurs. Moi, si, mais le reste, non. Acte de foi. Et on est juste au-dessus de la statue. Ok, bref, bah du coup, je suis quand même bien éloigné de là où j'étais, hein. C'était pas prévu, ça. Tu te sens vivante. Ah là là, on est juste au-dessus de la statue. Attends, mais... j'ai cru voir quelqu'un tomber là. Non, c'est pas bon. Ça. On se verra bientôt. Oh, j'allais faire ma quête, on m'a interrompu. Mais voilà, c'est beaucoup de surprises aussi ce jeu, parce que souvent il va t'interrompre comme ça, sans que tu t'y attendes finalement pour te proposer dans la quête. Donc, ouais, maintenant du coup, ça fait pas mes affaires, parce que je suis quand même bien éloigné. Genre, voilà quoi. Et même pour trouver un véhicule ici, bah, je suis quand même un peu dans un trou paumé quoi. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, c'était un peu l'imprévu, mais bon, on va continuer à se balader. Hein. C'est pas grave du tout, même. Sûr, je vais bien tomber sur un véhicule, hein, même si là, je suis vraiment quand même bien paumé. Confection, je sais, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je passe tous les messages sans aucun respect, moi. Oh ouais, on est des rebelles, nous. Sauf que du coup, je pars pas non plus du bon côté de la vallée, mais en même temps, si je dois retrouver un véhicule, c'est par là que je dois aller, quoi. Ah là là, parce que là, je vais de l'autre côté, plus du côté, on a la mer d'Urk et tout, quoi. Même si c'est loin, mais c'est quand même de ce côté-là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Sans ça, il fallait forcément que ça se déclenche à un moment, donc... je dirais que ça pouvait que être maintenant, quoi. Faut trouver de la civilisation. Genre, je pense en allant par là, peut-être que je vais tomber sur une route. Non, attends, là je suis où vraiment? Ah, c'est bon, il y a une route par là, mais vraiment, je suis très éloigné par contre. Hein. Oh là là, oh là là, c'est l'imprévu. Je suis très très éloigné de toute vie.
Même tiens, on va pouvoir faire du barbecue avec des animaux là, avec mon petit laser. Hein. C'est pour dire finalement, moi le jeu, je l'ai jamais fait avec ces armes-là, vu que. Wow. Ah quand même, mince. Ah mince, ça les. Ah mince. Il s'évapore carrément. Mais ouais, j'ai jamais utilisé ces armes dans le jeu, parce que moi, je les ai débloquées après avoir fini le jeu à 100%, quoi, vu que c'était avec les DLC. C'est quand même un peu trop puissant. Je vais peut-être le changer, parce que là, waouh. Wow. À ce point-là, quoi. Parce que du coup, quand tu les utilises dans le DLC Lost on Mars, forcément, c'est contre des aliens. C'est pas vraiment la même envergure. Là, du coup, direct contre des hommes, c'est pas pareil. Ah, si, c'est bon, Stramoine. Yes. Bon, attends, maintenant, hey, sans respect, voilà, on dégage. Hein. Vous voyez, du coup, si on utilise ce genre d'arme, qu'est-ce que ça donne? Et celle-là, 20 millième fois que je répète, c'est la moins puissante. Non mais je suis un peu abusé là. Hein. Alors toi tu as une indication du coup pour moi. Qu'est-ce que tu vas m'indiquer? Ah oh, merde, parler en conflit. Il est en conflit le bougre. Ouais mais t'es en conflit de quoi là? Oh, un conflit de rien. Emmener une femme dans une chapelle de leur couvent. Ok. En hurlant. Quand elle est ressortie, elle était devenue un de ces anges complètement silencieuse. Ah donc c'est encore en avant-poste. Très bien, très bien, très bien. Et là on a. Oh bah ici il y a quelque chose je pense. Hein. Genre il y a peut-être. Du coup bah la Stramane j'en ai plus besoin donc attends ça a pas actualisé l'objectif. Si si ça a actualisé l'objectif, attends du coup. Donc maintenant il faudrait aller il faudrait aller je pense à. Ah c'était Prosperity non? Par contre du coup si c'est Prosperity bah ça fait référence à un truc. Enfin fait référence bah du coup c'est pas vraiment une référence mais voilà. Bref, j'arrête de parler. Rejoindre le terrain de jeu, donc le terrain de jeu il est où? C'est bien, du coup il est plus proche que ce que je peux penser. J'arrive pas à voir où c'est. Ah c'est là-bas. Ouais c'est pas si loin vu que c'est juste derrière la prison au final. En vrai je peux me TP à la prison non? Oui. Est-ce qu'on ferait pas un petit TP comme ça je fais la quête secondaire? Allez si vas-y je vais faire ça. Ça c'est vrai que je suis quand même assez paumé. On pourrait explorer mais j'ai envie de faire la quête. Mais ouais, du coup, si c'est bien Prosperity, comment ça s'appelle? C'est un truc très important qu'on a dans Far Cry New Dawn. Ça, forcément, à l'époque, on pouvait pas savoir. C'est peut-être parce que... Bah non, ça se trouve pas à cet emplacement, Prosperity, dans New Dawn. Bref, passons, 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 passons. Mais là, je reviens quand même à mon pistolet laser. Ouais, il est quand même très puissant. Oi, 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 oi. Je l'utiliserai vraiment en ultime recours. Voilà. Sinon, je jouerai avec ma M16. Mais si vraiment je suis en galère... Hop, je suis en ma secondaire, et là pour alors, les ennemis, ça s'évapore. Nico presto. D'ailleurs, du coup, là, il y a un événement live en ce moment. Attends, je suis curieux, je regarde, il y a quoi en événement live? Il y a encore des événements live sur le jeu? Je suis bizarre. Nouvel élément en magasin, ouais. Ok, maintenant, il n'y a plus d'événements, c'est bien ce que je pensais. Voilà, a pris fin, forcément. Oui, je me disais, c'est bizarre, il y a encore des événements sur le jeu, hein. Serait vachement étrange. Limite là je vais aller en hélico parce que du coup il y avait un hélico là non j'avais cru voir au niveau ah il y a pas d'hélico. Ah bah si y a un hélico. Yo l'hélico il est là, il est là l'hélico, au moins ce sera rapide. Eh t'en profiter qu'il y a un hélico à proximité pour l'utiliser hein. Je vais pas ah mince c'est pas le bon siège, moi je vais aller en pilote. Bon attends du coup on va sortir, on va plus aller là. Comme ça, voilà, en pilote. Let's go. Let's go, let's go. Et d'ailleurs, en fin d'épisode, faut que je vous présente un truc au niveau des tenues. Ça, j'ai pas encore fait, c'est vrai, présentation des tenues. On a des trucs sympas. Des trucs très sympas, même. Parce que là, tu vois, si je vais à pied, ce sera un peu plus gênant. Sachant que, voilà, quoi. Il y a une rivière et tout. Il y a des montagnes. Des montagnes à haute altitude. Donc, vaut mieux aller comme ça. Faut mieux aller comme ça. Ouais là je me rappelle de cette quête. Elle est. Je crois qu'elle est un peu galère quand même. Si je me souviens bien, j'avais un peu galéré sur certains points. On va faire des mini-épreuves en gros pour tester les stimulants qu'il va nous donner. Les boosts. Hop, voilà, on va atterrir ici juste devant. Et c'est vraiment cool de tomber sur cette quête en premier. Parce que du coup, ça va pouvoir nous donner encore un avantage. Oh là là, je vais être trop avantagé moi dans ce jeu. Prosperity, mais si c'est bien ça, putain, ça s'appelle Prosperity aussi. Quel hasard. Oh Clutch Nixon.
Oh là là, il y en a un ici. Bon, ça on le fera après. C'est un truc secondaire, ça aussi, c'est vachement sympa. Bon, il y en a certains, ils sont compliqués par contre, mais je pense que je le sois pas. Hein. Bon, bon, ça c'est encore un truc pour. Voilà, un sanctuaire, très bien. Ça, de toute façon, je pourrais faire en off. Ah, regardez, je suis recherché. C'est moi ça. Voilà, voilà. Alors, j'ai tes plantes. Cool. Ce mélange va te secouer les neurones. Ah bah oui, t'as l'air d'être secoué toi, donc bon. Ton propre père te reconnaîtra pas. Oula. Ton père est sympa. Le mien, non, il a aidé les cinglés à faire leur potion magique. Il a même utilisé mon cochon d'Inde comme cobaye. Ah, désolé, qu'est-ce qu'on disait déjà? Vous avez vu les mannequins en arrière-plan quand même? Ils se font plaisir, hein. Booster de performance. T'auras plus de jus qu'un catcher pro. Les cinglés vont pas comprendre ce qui leur arrive. Mais on doit faire des tests. J'ai préparé un parcours d'obstacles. Allez, on est parti pour les épreuves. C'est scientifique et tout, hein. Et pas de surprise, tu vois le genre. Ah, oh, ouais. Pour que je puisse déterminer ta dose. Ok, alors, équipez-vous du fusil à pompe. Il est là le fusil à pompe. Bon, bah, je te récupérerai au moment voulu, ma petite M16. Alors, détruisez les cibles. Là, il faut monter du coup. Je vais monter là direct. Ouais, c'est bon. Hop. Bon, bah, d'ici, de toute façon, je peux ajouter. Voilà. Vous voyez, petit parcours sympa. Olé. Là, on a les caisses de mun s'il le faut à un moment. Et on en a une autre d'or. Mais c'est notre turn ici, il y a trop de mannequins. Équipez-vous de l'ARC. Eh, j'avais bien raison, c'était bien ça le nom de l'arme, c'était bien l'ARC. Ok, donc 4 nouvelles cibles encore à détruire. Ah, celles-ci, elles sont mobiles. Ouais, bon, tu parles hein, dans le petit wagonnet. Ça va pas non plus trop complexifier les choses, hein. Voilà. Ça teste plus nos aptitudes au tir là qu'autre chose, hein, j'ai l'impression. Équipez-vous de la batte de baseball. Voilà, ça va tabasser dur là, hein. Hop. Frappez les cochons, hein, mince. J'avais oublié ce détail. Allez, viens, Porky! Porky, reviens là! Les problèmes avec Porky, c'est que tu tapes et après, bah, il s'enfuit. Bon, du coup, c'est 4 coups de batte pour les tuer. Je retiens. Donc, lui, normalement, il lui en faut encore 4. Ah, fallait juste en frapper une fois, ok. J'étais pas obligé de les tuer. Non, mais vaut mieux terminer le travail quand même, hein, voilà. Hein. Nous, on termine le travail et on pille en plus. Bah oui, il faut piller, hein, gros. Par contre, il n'y a pas de cinématique non pour les dépecer sur ce Far Cry 5. Ça se fait direct. Au moins, c'est plus rapide après. Hein. Allez, on parle à Twig. Donc, la première épreuve terminée avec grand succès, je suppose. Bonjour. Armistice. Comment c'était, hein? Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais quelle note? J'ai pas eu trop le temps de faire des tests. Enfin, bref, tu l'as fait à jeun. Hein. Alors, maintenant, tu vas le faire sous speed. Mais, ah bah voilà, speed. Maintenant que ça va être intéressant. Avec le boost. Règle numéro 1, choisir des noms forts et simples. Comme orange. Parce que les oranges c'est orange. Tu piges. Non, une orange. Ah. Cette idée est un génie. Prends ta dose. Ça doit être toi. Tire sur les cibles, bute les porcs. Allez, maintenant on va avoir un speed boost. Ah ouais, oh, t'en fais pas pour les porcs. Ils devaient y passer de toute façon. Ils savent pourquoi. Allez, oui, ils sont conscients, hein. C'est parti. Bah ouais, mais si t'arrêtais de parler, on serait déjà lancé de toute façon, hein. Là, je crois que du coup, c'est le même parcours, mais avec le speed en plus, quoi. Je crois que c'est bien cela. Est-ce que c'est cela? Prenez le stimulant. Alors, le stimulant, il est où, du coup? Il est pas là, le stimulant. Ah, il est là, voilà. Oui, parce qu'il était pas dans mon inventaire, hein. Oh non, des seringues. Ah, du coup, maintenant, il est dans mon inventaire. Alors, c'est le... celui-là. Ouais, en plus, on a une petite musique, c'est fort sympatoche. 4 minutes, ouais, mais attends, je l'ai fait en moins de 4 minutes sans le boost. Donc là, voilà, quoi.
C'est juste qu'on va pouvoir passer comme ça tout le temps en face, pratique. Enfin, pour la phase de pompe, en tout cas. Ah bah non, pas vraiment, en fait. Elle est joviale, cette musique. Je trouve qu'elle est vachement joviale. Allez, hop. Voilà, on passe à la RC, du coup. Vu que c'est le même parcours. Bon, en vrai, à part qu'on se déplaçait plus vite, après, ça change rien pour l'aim, hein, d'avoir ce speed. Ça sert strictement à rien, hein. Juste plus rapide pour d'aller d'une cible à une autre. Oula, t'as pas pris toi, hein. Ah, les cochons. Ah non, pour les cochons, ça va être pratique par contre, parce qu'au moins, s'il fuit, ça va pas se passer comme ça. Ah ouais, tu veux essayer de fuir? Je suis trop rapide en fait, j'arrive même plus à les suivre. Trop de rapidité tue la rapidité. Allez, moins un. T'es le prochain sur la liste, toi, hein. Lui c'est pas Porky, c'est Piggy. C'est Piggy la cochonne. Piggy, Piggy, Piggy. Allez, Piggy, Piggy. Voilà, Piggy c'est mort. Allez, c'est bon, Oh, qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui? Bon, on était quand même bien large, hein, niveau temps. J'ai pas vu exactement, mais je crois qu'on était au moins 2 minutes 30 d'avance, donc voilà. Les médicaments, c'est la solution adaptée à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Si t'as besoin d'une dose, la recette du fast est à toi. Surtout, suis-la bien. Faudra pas te plaindre si tu te plantes, hein. La science, c'est précis. Je peux te révéler un petit secret. Je compte bien développer ma gamme de produits. Tu piges? C'est un petit truc qui t'aidera à récupérer davantage de puissance physique. Avec ça, t'auras la force de... Oh putain, je m'en souviens de ça. Oh oui, oh oui. Alors là, on va booster notre force. Vous allez voir, c'est assez exagéré. Ah du coup, c'est une autre... Ouais, c'est une autre quête du coup. Ah bah du coup, là, on va faire beaucoup de quêtes d'un coup, quoi. On peut l'enchaîner ou pas? Parce que là, du coup, c'était pour le fast, mais on a également pour... voilà, pour la puissance. Et l'autre, c'est pour les animaux. Ou alors, c'est le bouclier. Furious, ok. Allez, vas-y. Ah merde, faut apporter des plantes encore là? Non, c'est bon. Ah, je suis pas sûr du coup que ce soit bon. Ouais, super fort ta race. C'est bien ça. Balèze, j'espère que ton palpitant tiendra. Oh merde, j'ai dit ça à voix haute. Oh merde. Le Furious, c'est le nom de mon produit. Ouais. Tu seras capable de faire tomber les yeux d'un mec rien qu'en le cognant. On va le tester. Manius. Génial. Cogne les cibles avec tes points divins. Non, c'est bon, y a pas besoin de récupérer le truc. Ah mais là, vous allez voir, la force, elle est... Toutes les saloperies faites par mon père et toutes les vies qu'il a gâchées. Il est quand même assez impulsif, non? Ouais. C'est la drogue qui fait ça, je pense. Il parle beaucoup aussi, quand même, hein. Autant que moi. Bon. On a entendu le petit sirotement. Ah, bah y a le coq, maintenant. Que fait un coq? Je dois tabasser des coqs? Ah, peut-être, ouais, c'est possible. Non, non, c'est les... Ouais, voilà, c'est les anges que je vais tabasser. Les zombies. Vous allez voir, je vais les envoyer valser. Donc, hop. En vrai, là, je pourrais cumuler en plus avec le speed boost, hein. Ah oui, il faut les mettre dans les fosses. Il faut les projeter dans les fosses, c'est vrai. Je m'en souviens. Pousser, voilà, les anges dans la fosse. Putain. Mais c'est pas si simple parce que vous allez voir qu'on les propulse vraiment bien. Genre lui, attends. Ah tu vois, tu l'envoies quand même bien loin. Du coup, on va essayer de bien jauger, pas être trop loin, pas être trop près. Lui, je pense là, ça passe, non? Ah, mais en même temps, faut cadrer. Bah allez, venez en face là. Je pense niveau distance, je dois être plutôt bien. Genre lui. Voilà. Voilà. Du coup, ouais, j'ai le choix, hein. Je crois que c'est vraiment 6, mais dans n'importe quelle fosse. Genre, je peux mettre les 6 dans la même. Voilà, je suis bon, je suis bien placé, hein. Ils ont plus qu'à arriver en face et un par un dans la fosse, hein. On va la nourrir. La petite musique encore plutôt joviale. On le note, on l'indique. Allez, il en manque un. Eh, je cadre bien mes tirs, hein. Et ça rentre. Parfait. Tuer tous les anges restants. Ah bah, avec plaisir. Allez hop, allez hop. En plus ça me gagne mon, pour mon défi corps à corps, mais parfait. Ouais d'ailleurs il faut que j'aille voir après mes compétences, j'ai encore rien dépensé. Hein. Ça il faut que je regarde. Alors parler à Tweet, mais qu'est-ce qu'il faut encore là-haut mais... Est-ce que c'est tout du coup pour cette épreuve? À voir, peut-être, ouais peut-être. Faut voir.
la chimie ou la drogue, hein, plutôt. J'avais jamais vu un combat pareil. C'était sanglant. T'étais ouais. une vraie brute. Ravi que le Furious ait marché sans te faire. Ou c'est bon pour le Furious, là. Je te confie la recette. Utilise-la bien, hein. Ou pas, c'est comme tu veux. Mais pour faire le bien, peut-être. Assure. Je veux juste me rattraper pour ce que j'ai fait. Et je crois pas être le mieux placé pour faire le boulot. Mais toi, peut-être. J'espère. À moins que tu te fasses tuer. Et là, bah non. Ah bah là, y'a plus rien, hein. Alors peut-être qu'il n'y en a pas d'autres du coup de recettes, c'était la deuxième et la dernière. Du coup on va pouvoir faire du clutch Nixon, ouais. Par contre on avance tellement du coup que bientôt on va arriver au cercle. Je crois qu'effectivement on a terminé avec avec la drogue. La drogue dès le quatrième épisode, je trouve ça quand même assez tôt. Bon, clutch Nixon, j'espère que ça sera pas trop compliqué parce qu'on a certains... certaines courses entre guillemets de Clutch Nixon qui sont assez waouh. Là vous allez voir c'est America Fuck yeah. Oh putain c'est énorme les courses de Clutch Nixon. Regardez explosion Michael Bay nègre. Le plongeon dans la folie. Clutch Nixon se bat contre la montre, franchissez en buggy tous les points de contrôle et battez le record de Clutch. Et ouais lui c'est le cascadeur de la muerté. C'est Clutch Nixon, reconnu de partout. Il dévala une montagne rocailleuse avant de s'écraser dans la ville abandonnée de Prosperity. Quand il reprit conscience, Clutch jura de consacrer sa vie aux cascades et au programme d'alphabétisation des enfants. Ça n'a aucun rapport. Suivre sa descente dans un abîme métaphysique sans fond. Et plus personne après lui ne retenta le... Ça veut rien dire ce qu'il dit. Sacré Clutch Nixon. Allez, c'est parti. Et la musique, surtout, elle est ultra bien, la musique. Vous allez voir ça. Genre, ça te motive de fou, quoi. Et après, tu veux tout dévaler, hein. Donc, c'est des courses un peu what the fuck, quand même. Ça peut être en quad, ça peut être en hélico. Est-ce qu'il y a en hélico ou en avion? Je sais plus, ça, mais voilà. Là, on n'est pas vraiment en quad, par contre. On est plus en 4x4, non? What the fuck. Allez, c'est parti. Oh, la musique. Oh, ça fait plaisir de la retrouver. Aïe aïe aïe, America fuck yeah. Ça manque d'explosion là je trouve, hein. Michael Bay revient parmi nous. Aïe aïe aïe, c'est bon, on commence à faire du wall ride, allez c'est bon c'est parti. Ça n'a plus de sens, c'est parti. Bah ouais, nous on défie la gravité, c'est course de Clutch Nixon quand même, hein. Donc à chaque fois c'est des courses comme ça contre la montre où il faut passer le checkpoint, hein, pour gagner du temps et ainsi gagner assez de temps pour franchir l'arrivée. Normalement pour l'instant on est plutôt bien parti, même si je suis que à 16 secondes, normalement ça passe, hein. J'ai pas fait d'erreur donc ça devrait le faire. Même si on n'est pas large, c'est bon, je suis confiant. Mais on n'est pas en quad, hein, on est en 4x4. Oh le wall ride. Je crois qu'on est dans l'autre sens ou alors c'est un autre wall ride encore, je sais plus. Ah bah elle est arrivée là-bas, regardez, il y a le feu. Ouais. Clutch Nixon. Ah non, c'était pas la fin, finalement, je me suis fait feinter. Elle est là, l'arrivée à Prosperity. Vous allez voir la fin, la musique de fin magnifique. Les phrases de fin plutôt. Et tous les mannequins. Elle a survécu. Et je connais pas les paroles donc je... Oh yeah, Clutch Nixon. Ah ça c'est beaucoup trop bon Clutch Nixon et on en aura pas mal des courses comme ça. Aïe aïe aïe, quel plaisir, quel plaisir. Le plongeon dans la folie de Clutch Nixon. Voilà, parfait, on débloque en plus un véhicule et de l'argent. Mais c'est parfait, c'est excellent. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Mais pour finir comme promis, j'ai envie de vous montrer au niveau des tenues. C'est vrai qu'on a des éléments de personnalisation plutôt sympas, surtout pour les tenues spéciales.
Voilà, tenue spéciale. Bon, ça je passe parce que c'est pour l'histoire principale. On a quand même une tenue face qui est super stylée d'ailleurs. Je la mettrai peut-être à l'occasion. Mais en plus, c'est pas très cher cette 1200, donc voilà. On verra. Là déjà, regardez, on a une tenue Amita. C'est magnifique, non? Amita, on peut l'avoir sur Far Cry 4. Far Cry 5, qui l'eût cru? On a même Citra. Bon, alors Citra, c'est un peu moins stylé, faut l'avouer quand même. C'est un peu moins de la gueule. Bon, Vietnam, bon, ça c'est pour les DLC, le DLC Vietnam, hein, clairement. On a Aya également. Eh oui, Aya aussi, elle est là. Et du coup, forcément, on a Bayek, hein, si on a un personnage masculin. Je crois qu'on a Sabal aussi, du coup, si on a un personnage masculin à la place d'Amita. Enfin bref, il y a toujours les équivalents en tout cas. Hein. Du coup, on a Vas aussi à la place de Citra, ça je suis sûr. Et on a une tenue Mars, voilà. Que je peux mettre, hein, pareil, hein, pour la tenue Aya et tout. Mais bon, on va éviter quand même de partir trop dans le what the fuck. Après même, on a des masques de toutes sortes. On peut même mettre un ballon de football, hein, si vous le voulez, c'est possible. Un lapin, un crétin. Vrench, hein, dédicace au Let's Play sur Watch Dogs 2. Même du coup, on a Kensei, dédicace au Let's Play sur For Honor. On a de tout. Bon, par contre, là, je ferai pas de dédicace à Ghost Recon, vu que je n'ai pas le jeu et que je n'ai pas fait de Let's Play dessus. Donc, je sais pas à quoi correspond ces choses-là. Je n'en ai aucune idée. On a même deux casques, du coup, là, pas crétin, vu qu'il y a le Rabbids Biker. Ça, je crois que ça vient de Trial, par contre. Trial Fusion, ou ouais, plutôt Trial Fusion, du coup. Parce que celui qui est sorti après n'était pas encore sorti. Je sais plus son nom d'ailleurs. Donc je crois que ça vient de Trial Fusion, même si c'est pas écrit. Bref, on a même un Raptor. Enfin, un dinosaure, mais c'est un Raptor. Voilà, donc il y a du style au niveau des masques. On peut se faire plaisir. Voilà, du coup, là, on va vraiment pouvoir s'arrêter là. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve du coup très très vite pour la suite. Allez, bye tout le monde. Ouh, yeah.